Os ouvidos de Tupri envolvem a congregação de Sito Kuruzi, mesmo se já deu a andivarão lá em Sito Kizilanda, assim se deu a andivarão na Ferizilanda, na Antivarão, e se é um outro sítio de Saizi, mesmo se eu comecei para fazer a congregação assim, no nível de Ervide, por comecei, nós vamos créé révérend 2 révérend 3. Donc ici les corps on va les forcer à modasser et les corps qui sont en bas on va les faire à monter. Donc c'est pas comme on va commencer. Donc on va commencer au bivé, à trouver 1. À bivé 1. Et on va créer les deux révérend. Vélan, que le verbe c'est Vélan, 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 on quitte ici, ici, mais sauf Vélan. Sauveran tirer sur ici, sauveran sur ça, sauveran sur ça. On a le vélan 1 par défaut, puis tous les ports sont sur le vélan 1 par défaut. Maintenant, on a ici nos deux vélan créés récemment, le vélan 2 et le vélan 3. Donc, ici, on va continuer la configuration. Donc, on va configurer ces ports-là en mode assis, ces deux ports. Le port avec tout le qui est lié pour Ethernet 1, Flash 2. Donc en mode AC, on va le déplacer sur le VLAN 2, puisque par défaut il est sur le VLAN 1. Cette porte-là passe 1 3, donc on va le déplacer sur le VLAN 3. On va compter interface F1 Flash 1. Donc on va la forcer à mode accès, on est sur support mode accès, on va placer le véranda sur ce port accès VLAN 2, donc il est déplacé sur le véranda, on va faire de même pour l'autre port interface F1/3. On va le forcer à mode accès sur ce port mode accès et on va le déplacer sur le VLAN 3 sur ce port accès VLAN 3. Voilà, on peut quitter ici, revoir le port, monsieur show VLAN, monsieur VLAN, il est sur ce. Ici, on va bien que. Ici, on va bien que. Le port F02 est sur le VLAN 2 et le F03 sur le VLAN 3. Donc, la configuration. Pour l'instant, c'est OK. Donc, on va continuer ici à faire la configuration en mode sur ce port-là qui va sur le SW3 F01. On va le configurer en mode 1. Interface F1/1. Donc, on va le forcer en mode 1 sur ce port mode 1. Support mode 1, on met ce support 3 pour allouer VLAN. On va dire que ça concerne le VLAN 2 et le VLAN 3 aussi. Voilà, c'est configuration là. C'est donc on va s'y passer sur l'autre.
sur ce, SWB, on va faire la même chose, ce qu'on a fait sur le SWB1 et sur le SWB2. On va créer deux VLAN, le VLAN 2 et le VLAN 3. On va forcer ces ports-là à m'enlacer. On va déplacer F0, ça va vite. F1, ça va vite sur VLAN 2. F03, ça va sur VLAN 3. Et F1, ici, on va commencer par créer les VLAN comme un VLAN. DTDS VLAN 2 VLAN 3 voilà, on est ici on a interface on a une configuration globale d'accord, on fait une interface F1 slash 2 on va le forcer à mode accès je suppose mode accès. On va le déplacer le VLAN 2 sur support access, support access VLAN 2. Donc on va attaquer l'autre port, défense F03 sur support mode access, forcément mode access, on va le déplacer le VLAN 3 sur support access. VLAN 3. Donc ici on va le regarder ici. On est do show VLAN ressources. Do show VLAN ressources. Voilà. Le port F1 sera 2 et sur le VLAN 3. Et le port F1 sera 3 et sur le VLAN 3. Donc on va passer à la configuration du trunk ici concernant le port qui est sur SWB2 qui va sur SWB4 qui est F1 slash 2. On va faire un autre trunk et on va aller à la VLAN 2.3. On met interface F1 slash 2. On met sur support mode trunk. On est sur support trunk à l'ouvert face de à l'ouvert VLAN 2. On reprend, on est VLAN 3 encore. Voilà. On exécute. Donc, ici, comme vous le voyez, on a fini avec le SWV1, le SWV2. Donc, on a encore le port d'accès ici sur les deux sources. On a configuré le trunk sur le dessus, donc on va attaquer SWB3 et SWB4. Et ce qui concerne SWB3, donc c'est le câble qui va sur SWB2, on va le faire configurer, on va le configurer en trunk. Et SWB4 aussi, le port qui va en bas, on va le configurer en mode trunk. C'est parti, c'est un nom humus. Pour SWB3, 1-1, donc on va le. C'est 1-1. SWB3 ici. Ici, là-bas aussi, on va créer les deux VLAN aussi. Le VLAN 2 et le VLAN 3. VLAN. VLAN database 2. VLAN database. VLAN 2. VLAN 3. Voilà, on exécute, on se passe en configuration globale, compter, interface F1 slash 1, on est sur support trunk encapsulation.conquis, parce que c'est un suisse de niveau 3, encapsulation.conquis. Pour ça, on va sur support mode trunk. On est sur support mode trunk. Alerte. Votre support trunk. C'est sur support trunk. Alerte. VLAN 2. On reprend. On est VLAN 3.
va on a fini le R36 sur le SIV 3, donc on va attaquer le SIV 14 encore, toujours c'est F1, ça la fin, donc on va faire la même chose ici sur le SIV 4, on va attaquer le SIV 4. Donc je vais encore aussi les deux volants, vers la DTS, vers la ici on a vers la 2, ainsi vers la 3, si on fait encore, on se positionne en mode configuration globale, okay. On a une interface F1.1, mais sur ce point, mode trunk encapsulation ce support trunk encapsulation de frontier ce support trunk allié VLAN mais voilà, on le prend, on met de la toile. Voilà, on ça y est avec cette source-là, SIV2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'appuyer sur chaque source de nouveau fois-ci. Ici, on va donner au VLAN 2 une adresse IP. Au VLAN 3 une adresse IP aussi. On va faire de même ici sur le SIV 4 ici. Donc, on revient sur le SIV 3. Avant de faire ça, on va vérifier la configuration trunk. Sauf interface trunk. Voilà. Le port qui sera mis par trunk c'est F1, ça sera en 1. Mode trunk c'est 1, encapsulation de frontier. Donc c'est mieux. Mais ici, on va faire compter. On met interface. Mais ça va concerner le VLAN 2 et le VLAN 3, donc on va commencer le VLAN 2. Interface VLAN 2, on met IP, adresse, l'adresse 192, l'adresse 168.2.1, on va le mettre 1. Si c'est ce VLAN là, c'est le VLAN 2, on va se déplacer 0. Voilà, ici on va faire le même pour le VLAN 3, interface VLAN 3, IP adresse 192.168.1.3.1, le masque de l'information 0. Voilà, ici on clique, ici on veut, on clique encore, mais sur interface. Mais show pouvoir de configuration IP interface de lien sur IP interface de lien ici si on descend encore on a le VLAN de le VLAN 3 qui ont bien tiré une adresse IP, le VLAN 2 192.1, le VLAN 3 192.63.1. Donc on va faire de même sur le SIV, sur le SW4 qui est ici, SW4. Donc ça y est là, SW4. Ici, SW4. Donc on clique ici. On quitte encore, on regarde le trunk show interface trunk show show interface trunk. Donc ici on a encore le trunk on n'a pas encore entendu le temps pour ce temps pour la rencontre sur le SIV 2, un simple 1. Donc, SIV 4,
La cultura tiene que ser algo, ¿no? Ok. Interfaz. Cisco. Cisco. Tronco. Encarcelación. Dotado. Cisco. Tronco. Amigo. Nada, si hicieron la parada, si no lo pagan mejor, anuncio interfaz electrónico, interfaz electrónico, ok, se pasa, sigue. Donde se va a configurar el VLAN. Si una vez va a configurar una interfaz VLAN. De IP adresa la dirección si VLAN se concentra en la dirección de la biblioteca entonces la dirección son 200 son 200 ici je prends 577 01 72 17 01 Ici, je vais venir sur le PC officiel des adresses. Le PC 1, bien sûr, c'est le là, le PC 2, c'est le officiel des adresses. PC 1, le premier réseau, le premier réseau, j'ai un IP. 5,78.2. Je prends 2,54, la première adresse, 1,54, et le deuxième, je prends 5,78. 568.2.1 c'est l'adresse du VLAN. Je vais faire le même sur le PC2 ici. IP 592.168.3.254 de plus ici, c'est ça. Voilà, vous voyez que j'ai donné le nombre de ici, j'ai donné aussi le nombre de ici. Maintenant, si je fais un ping, cela ne va pas marcher parce que sur S1, j'ai configuré les VLAN, maintenant il ne peut pas router les paquets parce que c'est un pour l'instant c'est un souci, c'est S5.1 192.168.2.254 c'est le ping, donc il ne va pas prendre time out. Donc ici je vais revenir sur le S2.3, je tape un seul commande et j'y compte je mets IP routing. IP routing, donc il peut laisser router les paquets. Donc je reviens sur le S1024, S1024, un mode de configuration globale, c'est IP routing. Donc normalement, si je reviens sur le PC, si je teste le ping, ça va marcher. Donc, ici le PC2, ici le PC2, ici le PIN, 5,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 
Valla sarapan. Bir de tabii jenerelere ise sarapan. Aslında öyle tak ki yani. Tamam ki şey konuşuyor. Non, isi işin zettiğim lotu. Mezo de pes. En azı para konu parsa ko. Ve falar ki
ለመሳብ ባፋሰ ሲዩ ለምትወር ቀረው ይደረግ ይዙ አበርኩ ሲፋ አንኮር ኮንግሬስ ይባንኮር ኩሴ ሰቲያው ኮን la porcentaje nous allons continuer à faire la configuration parce que c'est en tout cas là c'est l'andant qui est dans ce côté disponible avec les autres équipements donc à la prochaine.